Bonjour à tous et à toutes, ici Delphish. Donc aujourd'hui nous sommes sur un serveur. Et voilà, donc c'est un serveur sympatoche. Donc comme vous voyez, c'est un serveur génialissime. C'est un ami. Donc voilà, c'est ma deuxième vidéo parce que j'en ai fait une pour mettre en privé pour un ami, c'est pas pour moi. C'est pour lui montrer des trucs. Je pensais d'abord la publier, mais après tout ce que j'ai dit et ce que j'ai fait, je préfère pas que... C'est pas sur cette map-ci, hein, c'est sur une autre map. Mais disons qu'il y a certaines choses, je préfère pas que ça se divulgue. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous fait des petits ennuis en ce moment, donc il n'y est pas... Même si c'est pas risqué, mais bon. De toute façon, il n'y avait rien d'intéressant sur la première map que j'ai fait, donc voilà. Voilà, donc c'est... Comme vous voyez, on est à 30 FPS pour que ce... Enfin, 40-30 FPS, ça varie. Donc c'est génial, c'est vraiment très fluide. Vous voyez tout ce qu'il y a, hein, c'est tout ce qu'il y a uniquement. Oui, il n'y a pas beaucoup, mais voilà. Le reste, on ne s'en occupe pas. Ici, nous, on se concentre sur cette zone-là. Parce que c'est ma petite zone à moi. C'est mon petit truc. Voilà. Et vous voyez un peu ce qu'il y a là. Voilà. Lolo. Alors, j'ai une idée. J'ai un concept, c'est de foutre des shaders. Donc on fait ça tout de suite. Donc on va mettre des shaders. On va se faire plaisir. Wow. On va faire ça. Donc voilà. Donc je peux déjà vous dire, quand je passe avec les shaders, je suis entre 15 et 20 FPS, à 22, ça varie. Mais voilà. On va faire les foufous, on est fifoutesque, on va mettre les shaders. Voilà, donc c'est ici que je sélectionne, il faut attendre un peu. Voilà, c'est fait. Hop. Et voilà, vous avez les shaders. C'est beaucoup mieux comme ça. Donc voilà, ici en fait, on a ma première map. Non, pas la première map. Map que j'ai fait avec un ami. Enfin, j'ai pas fait tout ce qu'il m'a pas aidé, mais je veux dire que c'est une map d'un pote. Donc, c'est cette oise, un ami que je dis coucou. Donc, vous étonnez pas, c'est moins fluide, mais bon, ça passe. C'est pas pour 10 FPS de moins que ça change quelque chose. Bon, ok, ça change énormément de choses quand même, mais ici, c'est simplement une présentation à la con, donc c'est pas très grave que ça lagote. On s'en bat les steaks. Voilà. Donc là j'ai mis attention, vous ne pouvez pas zone surveillée. Ce qui est complètement faux, c'est au cas où je suis pas là, il n'y a pas de zone surveillée. De l'eau. Et voilà, c'est tout, il n'y avait rien d'autre sur cette map. On va aller sur une autre map. Tiens, ce regard du serveur. Il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Donc comme ça vous savez. D'accord, le serveur sauvegarde. Autant pour moi. Hop, moi je déconnecte. Et on va aller sur Epicube. Oh mon dieu, c'est tellement original. Epicube, je suis personne, jamais fait de vidéo dessus, voyons. C'est un truc. Oula, ça rame. C'est un truc inconnu au bataillon. Oula. Oula. Oula, je lagote. C'est bon, faut autant de Sacha. Bon, après, c'est pas folichon non plus, hein. On voit parce que je la gode à mort. C'est juste pour montrer un peu à quoi ça ressemble avec les shaders. Donc, vous voyez, le jeu est magnifique, quoi. Vous comprenez? Oui, ça lag à mort. On a 10 FPS pour présumer. Mais regardez, qu'est-ce que ça. Pourquoi on a envie de jouer avec des shaders? Voilà, c'est ça, quoi. C'est la beauté de la chose, c'est pour ça. Parce que, voilà, vous avez de la réflexion, vous avez de l'ajout d'ombre. Et c'est ça que j'adore. Bon, après, voilà, c'est pas jouable du tout. Je suis obligé de passer sans shaders sur cette map. Mais ce qui est bien, c'est que ça plante pas. Donc ça peut intéresser mon pote si un jour il est. Ben non, il sait déjà tout ça en fait. Donc je dis des codes. Je dis de la merde. Il a pris. Oui. Il sait déjà tout ça. Voilà. Là. Ah ben oui, c'est beaucoup plus fluide. Bon, après, je sais pas à combien d'FPS on est, mais. Ah ouais, c'est autre chose, quoi. Oula, sauf quand on tourne. Parce qu'il y a beaucoup de monde, non? Ouh! Oui, quand même.
Est-ce que Prigel est en ligne, MDR? Prigel. Juste pour le lol. Non. Bon, ben voilà. Fait une petite aventure. J'en bats les couilles de ça. On va perdre du petit un des jeux, non? Il y a un jeu que j'aime bien, que beaucoup de gens n'aiment pas, c'est ça qui est marrant. C'est Rush Builder. Ah non, 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 pas ça. Oh, ça va. Bon, je sais pas du tout où je vais. Ouais! Je sais pas du tout ce que je fais. Je sais pas à quoi sert ce... Ouh là, bah, hé, le texte, stop, hein. Je sais pas à quoi ça sert, tout ça, tout ça. Ah oui, pour ceux qui n'ont pas vu mon skin, à quoi il ressemble, pour voir à quoi je ressemble, tout simplement. Voilà, c'est un renard. Un renard champagne. Albinos. Parce que c'est swag. Voilà, c'est tout. Enfin, c'est moi qui l'ai créé de toutes pièces, à part les habits, oui, vous pouvez les retrouver facilement, mais les habits, je n'avais un peu rien à se tirer. Moi, j'ai juste fait le reste, en fait. La tête, donc tout ce qui est tête, bras et tout, vous voyez un peu la couille que j'ai fait, quoi. Et c'est tout. Et c'est mon skin régulier. Oula, mon skin. Quoi? Tu sautes automatiquement? Mais, j'aime pas. Mais elle va se faire curer des chocolats. Ça veut rien dire ce que je dis. Saut automatique. Non, j'aime pas les sauts automatiques. Bon, par contre, qu'est-ce que j'attends là? Ah non, en fait, tu veux dire que je suis le seul sur la map. Donc ça veut dire qu'il n'y a personne. Of the dead. Ok, je me suicide là-dessus. Oh putain, ça marche, je peux jouer. Ah, c'est trop trop bien. Je suis peut-être tout seul, mais. Ça a l'air de marcher. Bon, ben, on va tester. On va tester. Fin de l'unité dans 6 secondes. Ah, t'es sérieux? J'ai pas eu le temps de jouer à quoi que ce soit, moi. Non. Ah non, c'est le vulnérabilité, d'accord. Ouh, j'ai peur. C'est qui ça? Ah, notre furie. Bon. Il est mort? Oh, le Fury, ça fait. Marrant, pourtant j'ai pas appelé d'ami Fury. Hein. Et il était Fury. Bon, c'est cool. Bon, par contre, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Comme dans tout jeu, c'est de récolter des. Oh, ça va, c'est fluide. Ah, mais j'ai pu. Non, c'est pas ça. Allez, viens ici. Je peux vous dire qu'à la base, je suis pas censé savoir filmer comme ça. Heureusement que j'ai mon appareil. Hein, parce que. Putain, je suis. Pardon. Purée, qu'est-ce que je saccaderais à ce moment-là. Oh putain, c'est fluide. Ça fait tellement plaisir. Oula, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Par contre, je sais pas du tout qu'est-ce que je dois faire. Bonjour toi. Oula, je me prends pour un con ce truc. Il se tait. What? Mais c'est quoi ce bordel? Ça lag sur le serveur, j'ai remarqué. Bon, je sais pas quand je vais pouvoir miner, mais là, j'en ai pour 10 ans, là, ou quoi? Ça a l'air plus sève au niveau des cochons. Bonjour. Bon, alors, on doit tout simplement miner
Mais en fait, je sais plus où c'était le... où il était le fer. Ici. Ouais, vous voyez que le serveur n'est pas au bout hein, de Frisuel. Et ça fait des années et il y a des gros bugs déjà. Et c'est pas ma connexion. J'ai une bonne connexion. Je vais vérifier d'ailleurs. Je sais pas où je suis, mais je vois du vert partout. Donc je présume que je suis dedans. Hein, voilà, regardez 46 de pique. C'est pas mal ça. En fait, j'en sais rien si c'est bien ou pas. En fait. Bon. Wow! C'est surtout pas qu'est-ce qu'on doit faire ou quoi. Laisse-moi creuser, oui. Ben voilà, comme ça vous savez que maintenant je vais pouvoir faire des petites vidéos aussi sur Minecraft Java. Si je trouve des mods intéressants, peut-être que je pourrais en faire des vidéos. Après, ce sera pas des mods qui font planter tout, hein. Façon, le fameux mode bizarre là, qui permet d'avoir tout texturé, lissé entre guillemets, j'ai pas compris comment ça fonctionnait, j'ai pas su le mettre. Ça m'intéressait pourtant. Mais bon, je savais pas. Enfin, c'est surtout que ça voulait pas. Je sais pas pourquoi, mais ça barre toujours un truc. Je sais pas quoi, mais je fais pas attention. Le but c'est de crafter? Ou c'est de miner? Je sais pas à quoi sert en fait. Je sais même pas à quoi sert les règles du jeu en fait. Ici, j'ai choisi cet endroit au hasard pour voir si ça laguait. Mais c'est tout. Bon, par contre, ça peut devenir un peu chiant quand même. Si je dois tout récupérer, ça va être un peu, un peu casse-couille. Oula! Ah, j'ai compris où ça va. Comment c'est son score alors? En minant. C'est pas mal. 400. C'est pas mal 400, non? Enfin, je présume qu'il y en a qui ont fait dans les 1000 et plus, même. Parce que ça a l'air un peu simple. Difficulté 2. D'accord. Pourquoi pas, hein. Ouais, c'est pas mal. En tout cas, comme vous voyez, ça fonctionne bien quand on a ce qu'il faut pour filmer. Sinon en général je peux pas filmer. Si je filmerais avec mon PC vraiment lui-même avec un Camtasia ou OBS, je serais à 15, 10, 15 FPS. Ici on est à plus haut que plus on est plus haut que 30, donc on est largement assez quoi. Vous voyez vous-même c'est fluide. Après c'est Java donc voilà c'est. Sincèrement, à chaque fois que je vois des youtubeurs jouer, j'ai l'impression que c'est pas plus fluide que ça, même en 60 FPS ou plus. Je sais pas, c'est d'ailleurs. Je vous dis à bientôt, c'était Deadfish. On recommence.
Je vous dis à bientôt, c'était Dinfish et j'espère que ça vous aura plu la petite vidéo. C'était une vidéo de temps pour le lol. Et voilà, je vous dis bye bye et à bientôt.